C'est quoi qu'il a récupéré? Non, il comptait pas le bouffer quand même. Soignez-vous, allez. Non, mais on est trop préparés à se barrer, c'est ça qui est beau. Ah, en plus, ils nous soignent gratos, c'est ça qui est bien. Et ils nous laissent nos armes et notre équipement, donc on peut se battre. Et ça va chier des bulles. Par contre, ouais, si les autres pouvaient se remettre un peu plus vite, ça serait pas du luxe. Ouais, pas la peine de compter sur vous pour l'instant. Ouais, l'idée ça va être de soigner un maximum. Et au moment où ils viendront, on prendra pour le bouffer. Évasion générale et on leur pète la gueule. Et avec de la chance, ça retardera justement le. Enfin, ça permettra de gagner du temps jusqu'au prochain. Pic succès direct, ouais, bien joué. Jusqu'au prochain, quoi. C'est qui tape? Ah, c'est lui! Escape! Allez, rébellion! Rébellion! Rébellion, rébellion, rébellion. Ah non, mais on est les pires prisonniers du monde, on voit. Jamais vous ne m'aurez. Pétez-lui la gueule, allez! Ouais, ça se passe pas aussi bien que je l'aurais espéré. Je crois que c'était une idée très stupide au final. Ah. Où il le kidnappe? Où il les emmène? Non, mais tant que je perds personne, ce plan est pas si mal. Hein. Ça pourrait être vachement pire en fait. Les mecs, ils sont à peine en prison, ils commencent déjà à crocheter les portes. Ouais, non, mais si on commence à tasser tout le monde au même endroit, il y a des chances qu'on arrive à s'en sortir. Hein. Avec une meilleure stratégie au lieu de bourrer tous le même mec. Ouais. Non, c'est que mes gars sont déjà en train de faire du crochetage, personne ne les remarque. Ça, c'est beau. Ça, ça sent que le cannibalisme, ça donne pas de, ça donne pas des stades en perception, ça c'est clair. Tu sais, ils me soignent pendant que je suis en train de crocheter. Ça veut rien dire. Cooking. Oh oh. Attends, ils sont vraiment en train de couper quelqu'un.
Non, parce que s'il commence à bouffer un PNJ, moi je m'en fous. Mais moi j'aimerais mieux ne pas se bouffer. Mais ouais, ils ont pas des stats de fou furieux quoi. Ouais, ils ont carrément des stats pourris quoi. Ouais. Merde! Ah, Shrieking Bandit, non, je m'en fous. Pourquoi il le bouffe? Ah, il est juste arrivé. Allez, les mecs! Rébellion! Toujours en picklock. Ah, les mecs, vous craignez, sérieux. Rébellion! 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 Vous n'avez toujours pas fini de vous rebeller, bande de nuls! On est les pires prisonniers du monde, quoi. C'est toutes les 3 secondes on entend une évasion, ça veut rien dire. Comme d'habitude, hein, ça ne veut rien dire. Tapez-le, tapez-le. Baston, baston. Qu'est-ce que vous foutez? Qui allez vous taper comme ça? Ouais, il y a comme une sacrée masse de mecs, hein. On est les prisonniers les plus dissidents qui soient. Ah, parce que je crois qu'il était en train de bouffer mon mec, en fait, donc j'ai commencé un peu à paniquer. Oh, mais les mecs. Ah non, mais ils sont vraiment en train de le tabasser. Ouais, c'était un très mauvais plan. Écoutez. On va dire qu'il ne s'est rien passé. quick save. Bon. Bon, on va aller au village au nord. De toute façon, il faut que je trouve un endroit où se reposer pour que tous les mecs soient à fond pour attaquer cet endroit. Là, on peut pas. Là, c'est pas. Là, on peut pas tester. C'est clair et net. En fait, je me suis foutu dans une merde de mort avec ces conneries. Tout ce qu'il reste à faire, c'est évacuer la zone aussi que possible. Au moins, on sait où sont. Mais c'est spécial, ce soir. Faut qu'on y retourne. Surtout, aimez-vous, faites pas gros. Oh, c'est bon ça. On a pas eu le temps de choper là. Dégoûté quand même. Ah, j'espérais vraiment beaucoup de cet endroit. On trouve. J'ai enfin trouvé ce qui m'intéresse, merde. Mais non. Mais non, non, non. Tu vois que ça soit blindé de mecs. Bon, Stork. Porté par Alec. Voilà, put down. Tout le monde est plus ou moins là. On va aller au village. À tous les coups, c'est un village du cannibal, hein, faut pas déconner. Ou de bandits fous, ouais, évidemment. Non, ça serait trop bien qu'on tombe sur un village où les mecs ils nous font bonjour, tenez, voilà de la bouffe, des armes, un fusil d'assaut et puis vamos. Non, 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 pas du tout. On va peut-être tomber sur un village de Terminator, hein, carrément, hein. Qui sait? Oui, je suis très optimiste. Hein. Je suis très optimiste pour la suite de cette expédition. Voilà, voilà. Il nous faut plus de mecs pour se battre. Je vais recruter de plus en plus de gus. Ça va être du grand n'importe quoi. Je vais recruter une armée de 100 combattants. Ils iront se battre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un sac à merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça va être quoi? Un Tech Hunter? Ouais, ça va, Jakku. 60... 68 quand même.
Mais ils ont des stats de fou, les Tech Hunters. D'un autre côté, vu les machins qu'il faut combattre pour récupérer de la tech, ouais, je comprends. Parce que les cannibales, voilà quoi. Alors, ils sont peut-être pas très forts individuellement, mais en groupe, enfin, ils sont en masse quoi. Alors, je suis étonné, comment ça se fait qu'il y a autant de cannibales? Je veux dire, ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup, faut trouver beaucoup de mecs à bouffer quoi. Ah, ça veut rien dire. C'était comme sur les premières versions où on pouvait modifier le nombre de le ratio. Oh, non, 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 non. Oh putain, encore. On pouvait modifier le ratio de PNJ. Et ça voulait. Et ils vont se retrouver genre avec 10 fois plus de gardes, ça voulait rien dire. Genre avec 50 gardes à la porte d'entrée, quoi. Ça n'a aucun sens. Et les bandits, c'est des sortes de hordes. De toute façon, on le voit dans les premières vidéos. Donc. Ça voulait absolument rien dire. C'était n'importe quoi. Allez, on va encore finir avec des mecs HS. Ouais, bon, voilà. Comme ça, c'est fait. Par contre, c'est quoi ces cannibales? Ils sont plus forts. Hein. Ils sont mieux armés aussi. Ouais, ils ont meilleurs stats, ils sont mieux armés, ils sont encore plus relous. Mais au moins, comme ça, on a du stuff à récupérer. Regarde, c'est le bon côté des choses. À qui je dois filer des trucs du coup? Cabo, Max, est-ce que Max aurait de la place? Max a de la place, mais Max est HS. Même si leurs couteaux ils sont pourris, mais enfin leurs couteaux, leur hachoir c'est un peu naze. Il y a moyen de se faire un peu d'argent quand même. Et ainsi recruter plus de mecs. Bam, 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 allez. Oh non. C'est encore les catons. Un coup de taille, il a shooté 5 mecs en même temps. Ok. Ça calme. Aucun souci. Non, ne le first aid pas. Surtout pas. Tu le voles. Compris? Alors c'est vraiment mais c'est vraiment considéré comme voler, non mais oh, c'est du loot. C'est du pur loot. Ça par contre. Après le système de vol, enfin, d'objets volés, c'est comme dans les Elder Scrolls. Les mecs ils savent que les objets sont volés. Hein. Enfin, même si les trucs sont produits en série, qu'il n'y a aucun moyen de retracer, ils sont courants qu'ils sont volés juste en les voyant. Mais bon. Ça c'est un truc que je trouve vraiment dommage et assez anti-RP. Ah, ça va, ils étaient pas si lourdement blessés. Du coup, Max, fais-toi plaisir parce que tu peux emporter un truc. Tabassez-le. Il est main nue maintenant. C'est une proie facile. Qui sont leur camouflage avec quoi? Du sang? Après, ça pourrait être bien de stuffer un peu ces deux guignols. Ouais, quand même, 10,39. Ah non, ils sont stuffés, c'est bon. Ok. C'est bon, il n'y a plus aucun de ces clochards qui est équipé, qui est armé, c'est bien. Allez, on se soigne tous.
Ah ouais, vous les avez défoncés, mais sévère. Oh, mais quel sac à merde. Ouais. Pick-up. Hop. Pick-up. Et on fonce. Toi, t'es quoi? T'es Hunter, ouais. On commence 0,58, quoi. Ça ne veut rien dire, ces stats. Comment un simple... Enfin, ouais, non. Non, je dis... Non. Non, en fait, c'est logique. C'est un marchand solitaire, il a pas de garde, il se bat tout seul dans un endroit où il y a des raids de 50 cannibales à chaque fois, toutes les 10 minutes. Partant de ce principe, c'est normal et logique qu'il ait des stats craquées. Sinon, il aurait pas survécu. Mais bon, mais ouais. Ah, je me demande s'il arrivera à gagner contre 50 cannibales, justement. Mais bon, vu que même mon groupe arrive pas à le shooter. Ouais. Par contre, j'espère que mes gars gagnent vraiment des stats parce que ça serait bien quoi. En tout cas, ils gagnent de l'athlétisme avec leur récompense. Bon, alors je tombe sur quoi? Un village de cannibales, des zombies, des terminators. Des cannibales! J'ai trop de chance! Ouais. Mais ils ont pas l'air nombreux. Si on les butait tous. Histoire de venger un petit peu. On les bute. Et on y prend énormément de plaisir. Par contre, vu que c'est des clochards, il en faut quasiment rien avoir. Par contre, si j'arrive à shooter, à récupérer, à looter un ancien box, je rentre immédiatement. Enfin, bon, maintenant ça va être chaud. Quoi. Mais. Ils ont récupéré quoi? Shocking Bandit. Mais vous êtes teubé! Mais ils sont en train de la soigner et ils sont en train de la bouffer en même temps! Mais il est con! C'est de la torture! Non mais là c'est pas essayer de la bouffer, c'est de la torture, c'est tout! Non mais faut arrêter 5 secondes! Pas de Allez! On marche! On va se foutre sur la gueule avec des mecs. Ce sont des clodos. Non, non, pas de first aid. Tu le loot. Voilà, on récupère le hachoir. Ça fait 7 moins pour ces enfoirés. Et 7 plus pour nous. Et. Ouais, ils ont l'air bon en fait. Finalement, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Rassemblement, préparez-vous à vous battre. Allez! Frappez-les, massacrez-les, déchiquetez-les! Allez! Non, il a déjà kidnappé Voss! Quel enfoiré! Ah, mais ils sont en pleine bataille, ils commencent déjà à me kidnapper des gus, quoi! Non, mais bon. Bon, au moins ça diminue leur stade donc c'est pas si mal. 29 Cannibal Chief. Ouh. Critical. Oh oh. Comment tu fais pour bouger aussi vite avec une jambe en charpie? Sérieusement. Ah oh, putain, mais pourquoi il y a tout le temps des patrouilles qui reviennent? Sérieux. Ça commence à être relou. Bon, ok. Si là, ça se finit par une défaite, j'essaie non plus de m'attaquer au cannibale, genre. Enfin, je vais faire autre chose. Et c'est un peu ce que je trouve dommage. Peu importe, quand j'essaie d'explorer, je tombe sur des mecs trop forts, je me fais défoncer, c'est un peu dommage. Même avec mon nouveau stuff. Ouais, non, 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 c'est fini. Ah bah, le combat il est fini, ça va finir comme tout à l'heure, ça n'a aucun. Ça ne sert à rien. Good. Bon. Il reste encore un épisode complet à faire. Voilà. Vous avez récupéré les deux mecs.